huile 100% arachide, c'est notre huile. Il y a une mauvaise volonté du gouvernement dans la mise en œuvre de nos différents points de recommandation de 2018. Quand on dit que le gouvernement n'a pas pu intégrer les jeunes, c'est une mauvaise volonté. Comment on conforme les jeunes à l'école normale supérieure? On dit qu'ils sont des chômeurs. On appelle cela les élèves fonctionnaires. Mais ils sont en chômage. Est-ce qu'on peut considérer une mauvaise volonté de les gouvernants à l'égard des jeunes? Comment vous pouvez voir les jeunes étudiants? Parce que là, cette recommandation n'a pas été prise en compte. La meilleure condition de vie des étudiants, ça n'a pas été prise en compte. Le ministère n'a pas été prise en compte. Ça n'a pas été prise en compte. Alors, je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas prise en compte, ou bien la question des étudiants ne concerne pas le ministère de la Jeunesse. Et le fonds alloué à l'ONAGES, je vous assure, c'est donné par affinité. On ne sait pas qui a été. Il n'y a pas un mécanisme de suivi de ces projets. On devrait faire un appel à tous les délégués provinciaux de sélectionner les projets et envoyer. Or, on donne ça individuellement, ou même le délégué ne connaît pas qui a reçu le fonds. Et ça, je vous parle clairement, puisque je fais déjà plus de 15 provinces et c'est une réalité. Il va falloir que le ministère fasse un bon suivi avec les délégués qui sont sur place et voir qui est le jeune qui peut bénéficier, n'est-ce pas, de ce projet avec vraiment des business plans bien établis. Je suis un jeune leader venu de la province du Bata. C'est la première province qui est en tête sur les conflits inter-agriculteurs. Pourquoi moi je dis que je suis un transhumant? Parce que je suis né transhumant et je vis avec les transhumants. Les problèmes conflits agriculteurs, normalement ce ne sont pas des problèmes graves. C'est des petits problèmes. Même un enfant de 10 ans peut les résoudre. Vous voyez, j'ai dit un enfant de 10 ans peut les résoudre. Pourquoi? Permettez-moi aussi de parler soit en arabe local ou de parler en français et encore traduire en arabe. Sinon, alors si c'est comme ça, je voudrais passer un message pour que tout le monde. Écoute, le message passe. Salam alaykoum. Adissim Ibrahim Tidiane, coordinateur en action africaine pour le développement humanitaire et social. Aïe, Anina, problème à qui la Wai, à quoi problème à qui la Wai. Achon, on a vu les Kenarfou, la Kimia, nous soutenons. Sur nous, garde qui va conflit intercommunautaire. Plus précisément à l'élevage et à l'agriculteur. Anna, Nolu, Indire Pini, avec qui nous avons grandi ensemble. Masa, qui proverbe, ça y est, la mine. Hein? Où sont les Djibouti et les. Yon, ma pique, que lui, là. Ah, là, ils étaient obligés. Hein? Yon, sur ça, ils ont eu des actes de naissance. Imaginez, les chakras, c'est pour tous les chakras. Mala, quand ma vie province à Kina, hein, au Ahala, ils avaient l'idée. Donc, si vous voulez appeler sa fille de la Kalamfino, c'est ça la division. C'est ça la division. Tu vois, là, ça va vous dire une date. Ou à Dougou, quand vous avez vu le Dougou, allez, je voulais appeler sa Kalamfino. Il soit candidat. Mais, député, ainsi de suite, il vous demande, il est aussi là. Mais imagine, le gouvernement, il voulait que, hein, membre du gouvernement, hein? Vous avez déjà une province que, vous avez déjà une province que, vous avez déjà une province. C'est ça la division. C'est ça la division. Dawaï, attention, on a pas fini. C'est à travers cette opportunité que nous devons vraiment passer tous les messages. Dawaï, Al-Tanila, Al-Lalew, cher aîné, Chor Loi est en toute chance, ouais. Aïe, élection présidentielle, Chourou. Membre du gouvernement, Chourou.
mais maire en a commis, m'a délivré à la province. Violence faite aux femmes. Annie la tienne, nous sommes jaloux. Allez, ils sont ouais. Apparemment, ils sont jaloux. La dit, Khalil Soudou, elle là, à Rouen là, Zoïdat là, à Mohan là, Nida Foulbe. Nida Foulbe, écoutez. Nida Foulbe, écoutez. Parce qu'elle change beaucoup de sa réponse sur le gouvernement. Mara de Bobo, Mara de Toté là, à l'élection à la Maë. Pourtant, Annie a gagné une de nous pour avoir une solution. وسؤال مواجه هو لماذا لم تطبق اللغة العربية في جميع الإدارات والأقاليم جميعا ثنائية اللغة تكتب في الأوراق ولكن لا تطبق إداريا لماذا؟ ونراها الآن إذا قسموا الأوراق وقسم باللغة الفرنسية لماذا لا؟ نأتي في هذا القاع ولم نفهم أي شيء. هل ما لدينا هبوط؟ اللغة العربية كتبت في الدستور كما كتب في الدستور عام 2018 تطبق ثنائية اللغة في هذه الدورة ولكن لما رأيت فيها لماذا؟ هذا سؤال مهم ونريد الكلام التي تطبق في الأوراق تطبق ولا نريد كلام ساكت. Ma question, c'est l'entrepreneuriat, bien sûr. Je pense que, de la province de Hadjarlamis, bien sûr. Je pense que je vais parler sur les fonds alloués à la jeunesse, les fonds alloués par le ministère des Finances. Il s'agit d'un fonds de 30 milliards. Mais pour les jeunes qui veulent entreprendre, cette somme pour un jeune qui veut déposer son projet vu les conditions fixées par le ministère des finances, je pense que c'est ce qui dépasse l'entendement, parce que pour bénéficier de cette somme il faut avoir un titre foncier d'une maison dépassant 25 millions, alors que ça c'est plus. Oui, c'est vrai, parce qu'il faut avoir un titre foncier ou un compte bancaire d'une somme colossale. Et je pense que ce n'est pas des conditions qui sont appropriées pour un jeune chômeur ou bien pour un jeune qui veut se débrouiller avec son nouveau projet. Et ma question c'est comment, je veux aussi, savoir quelles sont les recommandations pour un entrepreneur qui veut entreprendre des zéro francs. Merci beaucoup à tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes tous dans cette salle. Et nous voulons qu'à partir de ce forum, un problème soit trouvé pour ce problème d'agriculteurs et d'éleveurs. Parce que dans très bientôt, nous allons s'occuper des personnes de famille de l'autre. S'il vous plaît, prenez ce problème en main. Chaque année, vous nous faites souffrir, nous les enseignants, du problème de la baisse des niveaux et des violences en milieu scolaire. Aujourd'hui, pour la violence en milieu scolaire, nous sommes en train de monter en puissance. Cette année, en un mois, on a connu presque 10 fois ce problème de violence en milieu scolaire. Je puis vous assurer, en tant que professeur de français, j'accuse le gouvernement parce que le gouvernement ne prend pas les choses en main. La troisième des choses, je vais revenir, c'est pourtant 30 secondes concernant le problème d'intégration à la fonction publique. Même le défunt maréchal du Tchad l'a su dire, c'est un problème au niveau de l'État parce que les ministres, les autres ne font qu'intégrer les enfants des riches. Et cette fois-ci, si ce problème doit revenir sur la table, il faudrait qu'on fasse un bon travail. Il y a des gens qui ont été formés et l'État les abandonne. Il faudrait que l'État prenne en main le problème d'intégration à la fonction publique et il faudrait qu'on intervienne, concerné. S'il vous plaît, arrêtez d'intégrer les enfants des riches. Arrêtez d'intégrer par la corruption. Arrêtez d'intégrer avec les dossiers main à main. Ne mettez pas
des commissions. Arrêtez avec le clientélisme. La commission ne fait intégrer ses enfants. Arrêtez avec ceci. Je suis de la diaspora de la France. À ce jour, je vous ai écouté attentivement, monsieur le directeur, concernant les recommandations que vous avez lues. Il y en avait 19 sur les 19. Il y en a 7 qui ont été exécutées ou qui ont été accomplies. Et le reste sont en cours. Et je suis restée très attentive par rapport à vos recommandations. Vous avez quand même impliqué 40% de jeunes dans tout ce que vous faites. Et en aucun cas, on a le pourcentage de la diaspora, en fait, par rapport à vos recommandations. Comment voulez-vous mettre en place la stratégie? Comment voulez-vous qu'on collabore ensemble? Comment voulez-vous qu'on travaille ensemble si on n'a pas de place, si on n'a pas de pourcentage? Donc c'est une question directe. Continue. Vas-y. Et donc, ma question est directe. Comment voulez-vous mettre en place, en fait, une stratégie? Comment voulez-vous qu'on travaille ensemble? Si vous voulez qu'on, nous, diaspora, qu'on vient et qu'on investit aussi un peu plus dans notre pays, quelle est la stratégie? Moi, c'est surtout ça, la stratégie pour nous appeler un peu plus au pays. Et quels sont les pourcentages que vous pourriez nous donner? Aux non-provinces respectives, ils vont nous dire que parce que vous êtes partis pour dormir, et vous êtes revenus pour faire quoi? Donc, s'il vous plaît, des grâces, accordez-nous par région. Comme ça, au moins, nous allons se sentir impliqués et demain, nous allons partir aider pour faire ce qu'on appelle la restitution digne de son nom. Si vous nous priez, nous sommes prêts à quitter la salle, s'il vous plaît. Que le Tchad vous appartiendra. J'ai objecté intérieurement. Mais je trouve que je donne la raison aujourd'hui. Les deux jours qu'on a fait, nous, on n'a rien fait. Je vous assure que si on est dans cet élan, on ne peut jamais réussir. Je me demande, est-ce qu'on est venu, on était désigné par des gens, par des jeunes, et nous avons laissé ces jeunes derrière eux pour défendre leurs idées. Mais ce n'est pas le cas. C'est pas ça. En ce qui concerne ma question, je reviens dans le thème. En ce qui concerne ma question, j'aimerais savoir pourquoi on est toujours sous le système de CDD. Sous le système de CDD. Et ce système, je vous assure que si vous avez donné à quelqu'un un contrat de CDD et si vous avez mis au terme son contrat, cette personne-là va être dans le pur chômage. Donc il faut vraiment bannir ce système. D'accord. Merci.